Salut, c'est Schneuf et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Red Dead Redemption 2. Lors du dernier épisode, nous étions retournés enfin sur le continent. On avait retrouvé un petit peu toute la bande, c'était plutôt cool. Sauf que les flics nous ont retrouvés dans le nouveau campement. Donc ça, l'épisode a terminé en fusillade. Et là maintenant, je suis de nouveau à Saint-Denis. Et je crois que nous avons un plan pour libérer John qui est en prison. Donc là, je me rends au saloon directement. Pour essayer de trouver une solution. Il tousse beaucoup, Arthur, là, je trouve. Qu'est-ce qui se passe? Mister, are you okay? Mister, are you okay? Are you okay, Mister? Mister, you don't look so good. Let's get you to a doctor. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'aurais chopé une saloperie à Garma? Putain, il crache du sang. Can I help you? I need a doctor. Oh, just one second, sir. Come in, pal. Come in. Allez, allez, courage. I need some help. And so it seems. And that's Doctor, Mister, to you. I'm sorry. I was joking. Look, friend, I don't mean nothing, but you got money? I mean before I start treating you, because I got a family. Yeah, I understand. Here, let me. Sure. Thank you. Now, what's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think you've heard them. I'm coughing. Is there any blood? Sometimes. Okay, now here. Breathe. Again. Yeah. Let me see your tongue. Now say ah. Ah. What is it? Not good news. Well, I guess that. You got tuberculosis. Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. Ah, merde. What do you mean? You're real sick. You... It's a progressive disease. And you'll be... Now, the best thing is rest. And getting somewhere warm and dry and taking it easy. Now, is that possible? Sure. I can just take my winters in my country club... In California. No, it's not possible. Well, like I said, I'm real sorry. Yeah, well. Yeah, but wait, wait. Let me get you a little bit more energy today. Thank you.
Putain, ça craint. Ah oh, merde. We can't change what's done. We can only move on. C'est sûr et certain qu'il va mourir à la fin. C'est obligé. You have it in you, I can tell. Oh merde. Vous êtes même, vous ne pourrez plus consommer qu'un nombre réduit d'aliments, de breuvages pour vérifier de leur effet positif. Oh putain. Ok. Ah oh, ça craint ça. Ça craint. Merde. Là je vous avoue que je suis un peu sur le cul là. Il a chopé la tuberculose donc bah clairement je pense qu'il va crever hein. Je sais pas si combien de chapitres il reste encore, là on est encore sur le chapitre 5. Mais clairement je pense qu'à la fin de l'histoire il va crever. Je me fais pas d'illusions là. Franchement c'est chaud. Malgré tout j'espère que cet épisode vous aura plu. Un peu plus court que d'habitude mais voilà je... La prochaine mission ce sera pour délivrer John et je pense que ça va être un petit peu long. Donc voilà je préfère faire une vidéo courte ce coup-ci et puis on verra ça... On verra la suite dans un prochain épisode. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de Red Dead Redemption 2. Allez, tchuss!